viens à mon aide. Seigneur, viens en secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Vraie lumière qui resplendit sur la face du Christ, fais dans la venue ma parole, fais dans le silence et lumière, fais qui est à l'éclat dans la sonde de la grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, et son père.
voici ton fils, fils, voici ta mère. Et depuis ce temps, tous disciples t'accueillent, Jésus. Et depuis cette heure, nous sommes enfants de Dieu. Arrivé au déclin de ce jour.
Psaume 85. Elle est debout près de la croix, seule au plus haut de la douleur, adorant son Dieu qui meurt. Elle est debout près de la croix, seule au plus haut de la douleur, adorant son Dieu qui meurt. Tends l'oreille, Seigneur, et pour moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, je suis ton ami. Sauve ton serviteur qui se fie en toi. Dieu, mon Dieu, pitié pour moi, mon maître. C'est toi que j'appelle tous les jours. Réjouis ton serviteur, mon maître, car j'aime mon âme vers toi. Ô maître, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Au jour de l'angoisse, je t'appelle, car tu me réponds, mon maître. Entre les dieux, seul grand est toi, rien qui ressemble à tes œuvres. Et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu et toi seul. Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, afin que je marche en ta vérité. Dieu mon maître de tout cœur, je rendrai gloire à ton nom à jamais. Car ton amour est grand pour moi, tu m'as tiré du plus profond des enfers. Entre moi, mon Seigneur, désolé, défense nuit pour chasse mon âme. Et de pitié, ô maître lent à la colère, plein d'amour et plein de vérité, tourne-toi vers moi, pitié pour moi. Donne à ton serviteur ta force et ton salut au fils de ta servante. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur est la chérie. Il préfère les portes de Sion. Cité de Dieu, je compte la vallée parmi l'homme. Parmi ceux qui me connaissent, dire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais Sion, chacun lui dit même. La
place. Le Très-Haut, le Seigneur, il inscrit au registre les peuples. Parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine. Amédée de Lausanne, au XIIe siècle, la mère des douleurs. Vous tous qui aimez la mère du Seigneur, arrêtez-vous et considérez du fond du cœur quelle était celle qui pleurait sur ses ennemis. Considérez ce qui lui était imposé quand son fils mourait. La tristesse que lui causa la passion de son fils échappe à toute compréhension, dépasse toute intelligence humaine. Rien de semblable ne va jusque-là. Rien de comparable n'atteint à une telle amertume de douleur.
qu'elle est en effet la mère qui a aimé son fils autant qu'elle. Car elle ne l'a pas conçu comme les autres femmes, mais le fils unique du Père s'est coulé dans ses entrailles par l'effet d'un choix aimant et d'une bonté gratuite. De là vient qu'elle l'aimait davantage. Et lui, à la différence des autres, ne causa à sa mère aucune peine, mais il la combla des richesses de sa grâce. Voilà pourquoi elle l'aimait davantage. Seule, en effet, depuis l'éternité, elle mérita d'avoir pour fils celui qui était aussi son Dieu. Aussi, l'abîme appelant l'abîme, ces deux tendresses avaient convergé en une seule, et de ces deux amours naquit un seul amour, puisque la Vierge Marie aimait son Fils comme on aime Dieu, et aimait Dieu en aimant son Fils. Elle a donc d'autant plus souffert qu'elle a plus aimé. Et pourtant, placée dans une telle adversité, elle ne se relâcha pas de sa discrète réserve et ne perdit pas sa ferme constance. Pour en faire la preuve, saint Ambroise, évêque de Milan, dit d'elle « Je lis qu'elle se tenait debout près de la croix du Seigneur. Je ne lis pas qu'elle pleurait. » Dans l'adversité, sachons donc, mes très chers, à l'imitation de la Mère du Seigneur, ne pas oublier la réserve et nous souvenir de la constance. Percez l'âme, Mère des douleurs, nous te magnifions. Donne-nous de communier aux souffrances du Christ et de prendre part à sa résurrection.
vu ton Fils mis en croix. Mère de la compassion, nous te magnifions. Élargis notre prière à toutes les souffrances de nos frères isolés, humiliés, torturés. Nous te magnifions. Ô Marie, qui te tenais debout au pied de la croix, Mère de l'Église, nous te magnifions. Donne-lui d'achever en sa chair pour son corps ce qui manque à la passion de ton Fils. Nous te magnifions. Ô Marie, toi qui as reçu pour Fils le disciple bien-aimé, Mère de tous les hommes, nous te magnifions. Permets qu'à son exemple, nous te prenions chez nous et apprenions de toi le silence et la paix. Nous te magnifions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le vieillard Siméon dit à la Vierge Marie : Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division et toi-même, ton cœur sera transpercé comme par une épée. Frères et sœurs, au lendemain de la fête de la Croix glorieuse, nous célébrons la mémoire de Notre-Dame des douleurs, comme pour écouter cet écho de la croix dans le cœur de Marie. Marie est notre mère et elle nous enfante à la croix, dans la douleur. Dans la douleur et pourtant pas de cri et pourtant pas de révolte. Au seuil de cette Eucharistie, demandons pardon pour toutes nos révoltes, pour tout ce qui en nous se révolte contre Dieu. Accueillons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fut associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair,
offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Bien fait,
ceux qui te craignent. Tu combles la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge. Viens à mon aide. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Notre-Dame des douleurs. Célébrer aujourd'hui Notre-Dame des douleurs, c'est magnifier la compassion de Marie. C'est mettre en évidence le signe de la croix dans la vie de cette mère. Signe douloureux et glorieux, signe d'obéissance et d'humilité dans le cœur de Notre-Dame. Célébrer Notre-Dame des douleurs, c'est contempler la participation de Marie au mystère de la croix. Et finalement, c'est recueillir pour notre vie un témoignage silencieux, une attitude éloquente face à la douleur du Christ dans le monde. C'est considérer, c'est regarder Marie comme une mère spirituelle. Une mère spirituelle pour notre monde en souffrance, pour l'Église, corps du Christ, blessé par le péché, pour chacun de nous à l'heure de l'épreuve. Oui, comme une mère spirituelle, Marie est à nos côtés et elle nous conduit, elle nous aide à traverser l'épreuve à travers trois attitudes. Elle nous aide à demeurer avec constance, à voir avec profondeur et elle vient éduquer les cœurs. Avec Notre-Dame des douleurs, nous sommes donc invités à demeurer près de la croix de Jésus pour découvrir une présence. Par son atrocité encore actuelle, la croix peut nous faire fuir. Les épreuves du moment nous font oublier la masse éternelle de gloire acquise en Jésus-Christ. Mais Marie nous invite à demeurer dans le mystère. Comme le dit l'évangéliste Jean, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Littéralement, auprès de cette croix de Jésus, la mère tenait ferme. Elle tenait ferme non pas tant physiquement, mais surtout spirituellement. Pour Notre-Dame, la croix n'est pas un objet quelconque. Désormais, elle porte le signe d'une présence. Par son attitude de fermeté, Marie a su discerner une présence mystérieuse dans la souffrance, dans la douleur de son cœur de mère. Pour elle, la souffrance n'a pas conduit à la solitude, à l'isolement, mais elle est devenue un chemin de communion et de participation au mystère de son Fils. Près de la croix, près de nos croix,
la mère de Jésus se tient là encore aujourd'hui, comme pour nous montrer la présence d'un autre, du tout autre, comme pour nous indiquer un chemin de communion, un chemin de participation à la vie de son Fils. Avec Notre-Dame des Douleurs, nous sommes également invités à recueillir et à partager le regard du crucifié à nos frères et sœurs humiliés dans le monde. L'évangile de Jean insiste sur le regard. Par trois fois dans notre passage, le verbe « voir » est repris à travers un jeu de regard, comme pour nous indiquer un chemin de contemplation. Et le premier qui contemple, c'est le Christ lui-même. Voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, il parle à sa mère, puis il parle au disciple. « Voici ton fils, voici ta mère. » Voici, c'est une invitation à nous laisser regarder et à contempler. Voici ton fils, c'est le regard de la mère qui filialise chaque disciple, regard qui enfante à la vie dans la souffrance, regard maternel qui engendre à la vie dans l'esprit. Voici ta mère, c'est le regard de tout disciple chargé de reconnaissance pour cette vie nouvelle qu'il reçoit. Regard qui manifeste et exalte la maternité universelle de Marie. Regard qui reconnaît, au-delà de la souffrance, un mystère de vie qui grandit. Dès lors, c'est en recueillant les regards du crucifié et de Notre-Dame qu'un trésor nous sera délivré à l'heure de l'épreuve, qu'une grâce de paix et d'espérance nous sera donnée, afin que nous puissions à notre tour le partager au monde, et plus particulièrement à nos frères et sœurs humiliés. Enfin, avec Notre-Dame de Douleur, nous sommes invités à approfondir une liberté et à découvrir une intimité. Au plus fort de la souffrance, l'évangile de Jean nous convie non pas dans le cœur de Jésus, mais dans l'intimité du disciple. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Il prit chez lui la mère de Jésus. Prendre chez soi Notre-Dame, ce n'est pas tant l'héberger à la maison, c'est davantage la convoquer régulièrement dans l'espace intérieur de sa liberté. C'est la convoquer à l'heure des choix, des décisions, pour qu'elle préside à nos discernements, pour qu'elle enfante dans nos cœurs les décisions que tout disciple devra prendre désormais seul, sans la présence de son maître aujourd'hui crucifié. Prendre chez soi Notre-Dame, c'est donc demander l'esprit de discernement au plus profond de son cœur. C'est approfondir et redécouvrir une liberté intérieure. C'est convoquer Marie dans nos prières pour qu'elle règne en nos vies et distille en nous la paix, le droit et la justice. Notre-Dame des douleurs, toi notre mère, daigne graver en nos cœurs la présence mystérieuse du crucifié, daigne inscrire dans nos regards l'espérance lumineuse du crucifié, daigne régner dans nos vies, daigne siéger dans nos choix, pour que nous vivions toujours de l'esprit de ton Fils. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Sainte Vierge Marie. Puisque tu as voulu qu'elle devienne notre mère quand elle se tenait près de la croix de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons Notre-Dame des douleurs, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, pour Arnaud et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons d'être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu as donné au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui
délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité en Christ donne-vous un sang de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Corps du Christ. Amen. Amen.
Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges le diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. La promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham, de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir en nous pour l'Église ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, notez que demain, dans le cadre des Journées du patrimoine, aura lieu ici même un concert à 16h, concert donné par l'ensemble Marguerite Louise, dirigé par Gaëtan Jarry, qui est un de nos organistes, avec au programme des motets de François Couperin pour 5 chanteurs, violon, flûte et hautbois. Et à l'issue de ce concert, il sera possible de rencontrer, d'avoir un temps d'échange avec les musiciens. Et notez également que demain, c'est la reprise des dimanches de Jérusalem, avec des propositions à la carte entre 8h et 18h30, Lectio Divina, Agape Fraternelle, et demain plus spécialement un temps de pèlerinage à l'église de Paris, Notre-Dame du Perpétuel Secours, pour un départ vers 14h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Non.